Bad Trip, la vidéo, c'est beau! Bonjour, bienvenue dans ma vidéo du vendredi, comme vous le savez. Vous entendez? C'est mon sèche-linge. Et oui, je suis humain, je lave mon linge, je suis comme tout le monde. Comme vous le savez, je fais des vidéos, je fais des sketchs, mais je suis aussi auteur de bande dessinée. Voilà, et donc j'ai fait une BD qui s'appelle La Petite Mort. Cette BD, La Petite Mort, ici présente, ça va? Ouais. Cette BD, La Petite Mort, ici présente, je le tiens très mal, a été sélectionnée par la FNAC pour le prix BD FNAC 2014 parmi 30 BD sorties en 2013. Donc, je suis trop content. Et en plus, vous savez ce qu'il y a de bien? C'est que c'est le public qui vote. C'est le public qui décide quelle est la meilleure BD parmi les 30. Donc, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de vous demander de voter pour cette BD. Le problème, c'est que c'est moi l'auteur de cette BD. Donc c'est pas très classe de vous demander de voter pour ma BD. Alors, j'ai eu une idée. On y va! Et hop, on y est. C'était très long en métro en fait, mais c'est la magie du montage. À ton avis, et l'Oster, il faut voter pour quelle BD pour le concours FNAC BD? Non, mais en même temps, pour La Petite Mort de David Moyer, sinon, on peut... Voilà. Bien ça. Pour quelle BD il faut voter pour le concours BD FNAC? La Petite Mort, ça m'a l'air pas mal. Votez pour La Petite Mort. C'est lui aussi. Votez pour La Petite Mort. Hey, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux tu dis aux gens. Ah mais grave, votez pour La Petite Mort pour le prix FNAC BD. Quoi? Votez pour La Petite Mort. Bon, votez pour La Petite Mort. Ah merci. De voter pour La Petite Mort pour le prix FNAC BD. Ah oui, voter pour La Petite Mort FNAC, le prix FNAC. Le prix FNAC. Quoi? Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la classe, ok? Tu peux maintenant dire, il faut voter pour la BD La Petite Mort pour le concours FNAC BD. Il faut voter pour la BD de La Petite Mort pour le concours FNAC BD. C'est bon, c'est bon. Pour qui il faut voter pour le prix FNAC BD? Pour La Petite Mort. Il me le donnera après. Ouais, je te ferai lire un jour. Merci. En tant qu'ancien vendeur FNAC conseiller Orion Multimédia, si je poursuivais mon rôle de conseil, je conseillerais aux gens de voter pour La Petite Mort au concours BD de la FNAC. Ben quoi? C'est quoi la... Allez voter pour La Petite Mort sur le concours BD FNAC. Super. Petite Mort. La Petite Mort. Mort. C'est... Il faut voter pour La Petite Mort. Mais c'est pas bien la mort. En mode impro et tout, mais je dis quoi? Bah t'as aimé la BD? Oui. Tu l'as lu? Oui. Bah tu dis vote pour la BD de La Petite Mort pour le concours BD FNAC. Action. Vote pour le concours BD FNAC pour La Petite Mort, parce que c'est bien. Ça s'appelle La Petite Mort, et en fait c'est la FNAC qui organise un concours, donc j'aimerais bien qu'ils disent voter pour La Petite Mort. Tu l'as pas lu, je sais, mais comme ça, vu qu'il y a plein de gens qui te suivent, ils se diront « Ah, ça doit être bien, donc ils vont voter pour moi. » Mais il est bien ce croissant aussi. Voter pour La Petite Mort. S'il faut voter pour La Petite Mort, mais les croissants aussi, c'est bien. Si vous avez du goût, et si vous êtes quelqu'un de bien, allez voter pour La Petite Mort de David Mourier, l'excellent David Mourier, pour le concours FNAC BD. Et si vous ne le faites pas, dans 7 jours, un esprit frappera à votre porte. Et peut-être, après je ne sais pas ce qu'il fera vraiment, mais il frappera à votre porte. Ouais, un esprit frappeur. Un esprit frappeur de porte. Méfiez-vous, David Mourier, La Petite Mort. Hey! Et si tu m'aimes, clique là. Clique là si tu aimes. Tu peux même cliquer plusieurs fois. Oh! 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 Mais t'es une fille! Ah non! Pourtant que la montagne est belle.